Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une ferme à XP 100% automatique. Vous allez avoir besoin de ne rien faire. Petite précision, avant que je commence le tuto, cette ferme marche sûr et certain en 1.14.4 et en 1.15 et tout ce que vous voulez derrière. Seulement après 1.16, 1.17, 1.18, je suis pas sûr, vous pouvez essayer. Il y a une partie de la ferme qui peut ne pas fonctionner. Bon, en gros, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais activer sur ce levier, ça va allumer le point de redstone. Et là, j'ai plus qu'à attendre qu'un item cuise dans la ferme. Donc là, j'arrive, vous voyez bien que je suis niveau 1 juste en dessous. Et quand je vais le prendre, bon là, la ferme a tourné environ 5 minutes, mais je passe niveau 8. Et on fait ça avec tous les fours, donc yes. Donc là, voilà les gars, la ferme n'a tourné que 5 minutes et pourtant je gagne beaucoup de niveaux. Alors pour ceux qui vont se demander pourquoi on gagne plus d'XP avec le premier four, et bien en fait on gagne la même quantité, seulement l'XP dans Minecraft est exponentiel. C'est-à-dire que pour passer du niveau 1 au niveau 2, vous allez avoir besoin de moins d'XP que pour passer du niveau 30 à 31 par exemple. Du coup je gagne en réalité la même quantité d'XP mais les niveaux montent plus lentement. Donc pour la construire vous allez avoir besoin de tout ce qu'il y a dans mon inventaire sauf les trois là, en fait il faut juste des blocs de construction mais j'ai pris trois couleurs pour que ça soit plus facile à comprendre pour vous. Donc une fois que vous allez avoir vos blocs de construction, donc moi je construis en l'air hein, mais vous bien évidemment ça fonctionne également au sol, vous allez faire cette forme là, c'est une forme un peu en triangle on va dire ça, vous faites un triangle au sol de trois comme ça puis deux sur les côtés. Ensuite, on vient poser deux torches de redstone sur ces côtés-là, puis deux poudres de redstone. Une fois que c'est fait, on va venir derrière et prendre un levier. On va le poser juste ici et on va l'activer. Normalement, ça va venir éteindre les deux torches de redstone. Je vais poser maintenant mes sticky pistons sur les côtés comme ça. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre deux pistons normaux, poser un ici, et pareil de l'autre côté. On fait tout en symétrie. En fait, vous ne pouvez faire qu'un côté et faire l'autre juste après, ce sera exactement pareil. Ensuite, on pose un observateur juste ici, donc sur une des deux poudres de redstone, peu importe, ça reviendra au même, une seule suffit. On vient reposer un bloc de construction ici, puis un piston normal ici. Et là, vous avez terminé la première partie et environ toute la redstone. Donc ensuite, on va pouvoir venir poser deux blocs de sable ici, puis un bambou, donc parce que la ferme marche bambou, et attention, avant de la lancer, vous allez avoir besoin de le faire pousser au moins de 1. Donc voilà, va pas falloir faire ça à chaque fois, mais là, la première fois, là, vous voyez, il faut qu'il devienne un bloc comme ça. Une fois que c'est fait, normalement, alors là, c'est la partie bizarre, et c'est également la partie qui ne marche qu'en 1.14.4 et 1.15. Donc normalement, si jamais j'active ce levier, comme vous pouvez voir, ça peut produire énormément de bambou, voilà, c'est un bug, ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle cette partie-là ne marche que dans les versions que je vous ai citées plus tôt, donc si jamais vous êtes dans des versions plus hautes, vous pouvez simplement faire des fermes à bambou normales, donc si jamais vous voulez que je vous en fasse une, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, comme on parle de symétrie, on va devoir faire exactement la même chose de l'autre côté pour faire du cactus, donc pour faire ça, on va compter à partir de ce bloc-là, on va faire 1, 2, 3... et 1, et ensuite une fois que c'est fait vous pouvez casser tous les autres, et à partir de ce bloc là c'est comme si c'était ce bloc là. Bon, c'est assez compliqué à comprendre mais je vais vous montrer en rapido, ça nous donne ça, donc on refait la forme qu'on avait mais en symétrie, et là c'est exactement la même chose. On pose un levier ici, deux poudres, deux torches de redstone juste ici, donc on va pouvoir activer le levier. On vient reprendre nos sticky pistons et nos pistons normaux, les sticky pistons on les pose bien juste ici. Et les pistons normaux, on va en poser un en haut, ensuite un en bas, et on va refaire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on pose un observateur, un autre bloc, et un autre piston normal. Une fois que ça c'est fait, on reprend le sable, et là, cette fois-ci, au lieu de mettre un bambou, on met du cactus. Hop, cette fois-ci, pas besoin de poudre d'os. Si jamais je réactive la machine, normalement, ça va en reproduire, donc le cactus, c'est beaucoup plus long à produire. Mais ça pousse quand même plus rapidement que si on faisait une ferme normale. Une fois que c'est fait, on va devoir bien récupérer tous ces items. Donc pour faire simple, on met un coffre sur le début de la flèche, donc le premier bloc qu'on pose, celui-ci, à côté des torches de redstone. Et on va venir y mettre un hopper. Donc pour éviter que tout tombe, on va faire un mur en fait autour. Comme ça, ça va simplement éviter que les bambous partent partout. Donc on va faire ça comme ça et un petit mur. Alors faites vraiment gaffe à ne pas mettre
de blocs au-dessus du cactus parce que forcément ça ne va pas marcher si vous en mettez à côté, le cactus va casser. Donc faites bien attention à ça. Hop, bah voilà, exactement ce que je vous disais, j'ai fait l'erreur que je vous ai dit de ne pas faire. Bon, c'est pas grave, hein. Ça, on a juste à reposer le cactus. Et là, le but, ça va être de faire en sorte que rien ne tombe, tout simplement, parce que si jamais ça tombe à côté, c'est pas non plus le truc le plus pratique. Donc juste vous entourez tout, hein. C'est pas non plus sorcier. Et ce que je vous conseille même, parce que des fois, il peut y avoir des petits problèmes, des fois, le bambou vole ici. Et le cactus vole ici, ce qui peut un peu dérégler la ferme. Donc moi, ce que je prends, c'est une trappe en fer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire de la prendre. C'est pas obligatoire, mais voilà, moi, je vous le conseille. Donc, on va péter le bambou qui me casse les couilles. On va mettre une trappe juste ici. Et on va prendre un bloc de redstone pour l'activer. Et vous allez voir, normalement, elle va se refermer. Donc, on pose bien sur le côté. Et là, voilà, ça isole vraiment les deux côtés. On n'oublie pas de bien remettre le bambou. Et là, logiquement, ça vous donne un peu ça. Vous avez un peu tout entouré à l'arrache. Si vous avez fait comme moi, ça passera très bien. Ensuite, passons à la partie où on a nos fours. Donc là, on va poser en dessous de chaque coffre 5 blocs. Donc vous voyez, enfin non, on va en poser 6 en horizontal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va garder que le dernier et casser tous les autres. On va faire pareil là-haut. Donc ça nous donnera le même nombre logiquement. Et ensuite, on pose nos hoppers juste en dessous. Comme ça, donc après on va pouvoir casser le bloc au bout. C'est juste pour poser bien nos hoppers. Donc chaque hopper va dans le hopper suivant normalement. Une fois que c'est fait, juste en deux blocs en dessous de ces hoppers, on va poser des fours. Donc on va prendre nos fours et on va les poser tous comme ça à l'horizontale. Donc on va poser nos 5 fours et on va les relier par des hoppers qui eux pointent les fours. Donc vous devez bien faire attention que les entonnoirs pointent vers les fours. Hop, hop, et là juste derrière, on va également en remettre. Donc là, normalement, si vous avez bien fait ça, la ferme peut dorénavant fonctionner. À un détail près, bien évidemment, on va devoir mettre une ligne de redstone juste devant les fours, comme ça, hop, avec un levier juste ici pour pouvoir récupérer, sinon les items vont s'en aller. Et on va mettre une petite ligne de redstone. Alors, une fois que c'est fait, pour bien peaufiner à la ferme, si on peut dire ça comme ça, on va poser un double coffre à côté des hoppers. Un double coffre contre les fours dans le sens dans lequel je mets. Et encore un double coffre en dessous du double coffre ici. Ça fait vraiment beaucoup de fois le mot double coffre. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on va mettre un hopper juste ici en dessous de ce coffre là. Et là, on va descendre de 2 encore. Non, de 3, que dis-je. On va faire 1, 2, 3. On va casser les deux qui sont là. Et on va pouvoir prendre notre dropper en le positionnant d'un côté ou de l'autre, mais vous allez voir, c'est assez important pour la suite. Donc on va par exemple prendre là par contre il me faut, ouais là moi j'ai pris de la laine en bloc de construction, mais il vous faut des blocs qui ne brûlent pas, parce que juste ici on va vous mettre de la lave comme ça. En fait, ça va faire une poubelle, voilà, parce que quand on fait cuire le bambou et le cactus, on obtient du colorant en vert, et le but, ça va être de le jeter parce qu'on n'en veut pas. Donc on met bien à hopper juste ici. Et maintenant, c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à faire une petite cloque infinie, c'est-à-dire pour que ça active. Donc moi, ma cloque infinie, je la fais comme ça. Après, vous pouvez faire n'importe quel type de cloque du moment que ça peut extraire en fait les items jusque dans la poubelle. Donc on fait ça comme ça, on met encore un autre fil et on met un répéteur juste à côté. Ensuite, on n'a plus qu'à activer, et si le répéteur clignote, c'est bon. On va ensuite pouvoir, bon déjà je vais désactiver ça à 2 secondes parce que ça fait un bruit d'enfer. Et on va pouvoir activer la ferme. Donc là normalement tout va commencer à rentrer. Ah oui, alors moi j'ai un petit problème avec ma ferme parce que j'ai fait un des pires trucs. J'avais posé un bloc juste au-dessus du hopper, donc forcément ça pouvait pas marcher. Donc faites bien attention à ce que tous les hoppers soient libres. Et normalement si tout marche bien, le premier four commence à s'allumer. Et voilà, en fait le petit problème avec cette ferme, c'est que avant que... pour que le deuxième four s'allume, il faut que ce hopper là soit rempli entièrement de cactus tout ici, et que le hopper derrière soit rempli tout entier de bambou. Et ensuite le bambou ira dans le deuxième four et le cactus aussi. Ensuite pareil. Donc c'est vraiment très long. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais les remplir à la main. Mais vous, c'est vraiment normal, s'il n'y a qu'un four qui s'allume au début, il va juste falloir attendre. Comme vous avez vu, j'ai à peine rempli les entonnoirs qui étaient ici, enfin les hoppers, que le deuxième s'est allumé. Du coup il faut faire ça avec pareil, il faut que aussi je le remplisse deux cactus juste ici et que celui derrière je remplisse de bambou, et ainsi de suite. Bon, je vais pas m'embêter à le faire parce que je l'ai fait déjà pour l'autre four. Et hop les voilà. Donc oubliez pas, quand vous avez pris vos items d'ailleurs, de réactiver le levier, sinon la ferme se met en off.
Donc normalement, si jamais tout marche à merveille, donc faudrait, donc logiquement les colorants sont stockés. Bah déjà il faut bien qu'il y ait du colorant qui soit stocké, voilà, parce que j'ai activé ça. Excusez-moi, j'ai oublié une ligne de hopper, voilà, donc on va mettre une ligne de hopper juste en dessous. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Donc voilà, là logiquement le colorant part, et le colorant part dans ce coffre là. Et si jamais j'active ma cloque juste ici, le colorant part dans la poubelle. Bon voilà, pour une fois que j'ai fait, je me suis dit j'ai fait un tuto parfait sans rien oublier, et en fait non, j'avais oublié de mettre les hoppers en dessous. Bon bref, c'est pas grave, donc c'est pour ça que la ligne de redstone est utile, parce que une fois que c'est fait, les hoppers, enfin les colorants verts partent, et pour récupérer l'XP, il faut forcément la récupérer. Donc on active la ligne de redstone, ce qui va bloquer les hoppers ici, et du coup ils vont rester dans le four. C'est pour ça qu'il faut bien penser à la désactiver, parce que si jamais le four vient venait à se remplir tout simplement, et bah ça pouvait plus cuire. Donc ici ça se fait au max, et donc du coup plus d'XP. J'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un like. Et moi je vous dis à la prochaine.